Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom. Cette nouvelle vidéo, peut-être une prochaine série sur Ark, donc Survival Evolved, je vais arriver à le dire. Evolved, je sais pas comment, enfin vous le dites comme vous voulez. Donc on va démarrer une partie, je vais commencer sur le EU officiel serveur 95, je l'ai mis en favori. Bon bah voilà mes serveurs favoris, j'ai pas compris comment ça marchait trop, mais bon. Je prends un ping raisonnable en fait, tout simplement. Joining serveur, en espérant que ça va passer, croisons les doigts. Ça passe, parfait. Donc moi je fais afficher les FPS quand même, parce que bon, il paraît que ce jeu est très mal optimisé. Alors je l'ai bidouillé, je l'avoue. Je vais pas vous dire comment, parce que je vais me planter dans ce que je vais dire et vous allez faire des conneries. Pour être tout à fait franc, il y a sûrement des... Oui, bah, de toute façon, je crois que mon truc c'était sur Steam. Bon. Donc apparemment on a un personnage, donc on l'appelait Marcus, hein. Marcus. Ah, j'ai pas eu la mage. Marcus bonus, voilà, pourquoi pas. Mal, oui. C'est de plus en plus clair, non? Je sais pas c'est quoi. Bon, bah écoutez. Pourquoi pas. Air color, bah ouais, marron. Eye color, pareil, j'imagine. Head size, ouh. C'est très Bruce Willis quand même, je trouve. Hein. Moi, non. Lower face, non plus. Enfin, si, un petit peu quand même. On va essayer de faire un truc qui ressemble à quelque chose. Hein. C'est quoi ça? C'est le front, non? Alors attendez. Ouais, d'accord, c'est l'épaisseur de la tête. Donc là, il y a moyen de faire un truc très très moche avec ça, j'imagine. Le corps. Donc là, il faudrait ça. J'aurais dû laisser là. Ça aussi. Hop. Baissons un peu le torse. On va mettre un petit peu de gras quand même au bonhomme. C'est le genre de mec qui vient faire Koh-Lanta, vous savez. Il est baraque et tout. Puis juste pour se faire perdre du. Donc, il aura toujours des pectoraux, d'accord, ok, bon bah c'est pas grave. Voilà. Les mains, on va les mettre un peu plus petites. Longueur des bras, on va la baisser un petit peu, alors attendez. On peut l'augmenter en fait. Voilà. Voilà. Oui, on va y aller, je pense, comme ça. Hein. Mettre un peu moins de muscles. Voilà, et on va aller donc dans la zone. Ça m'indique même pas sur la carte. Dans la zone 1. Create new survivor. Hop, c'est parti. Wouhou, on est dedans. Et apparemment, on n'est pas les premiers. Donc, on a un truc dans le bras, d'accord. Donc, moi, j'ai vu quelques vidéos sur le jeu, tout simplement. Ni plus, ni moins. Waouh, il y a de la vie à gauche. À droite, pardon. Il y a une tortue là-bas, j'allais dire. Une autre tortue là. Bon, alors, je me suis un peu. Quand même, j'ai un peu joué un tout petit peu, vraiment. Très rapidement. Donc, je sais qu'il y a des choses que je peux récupérer. Ça, par exemple. Apparemment, j'ai froid là où je suis. Il n'y a pas beaucoup d'arbres non plus. Ok. Donc les fibres sont importantes. Les baies aussi, forcément. Vous vous doutez. Ce sera nos premiers repas, en fait, tout simplement. Donc ça ne semble pas hyper agressif. Alors j'ai vu des choses déjà dans le jeu qui m'ont surpris. Surprise eux, plutôt. Pas de cailloux dans le coin. J'aimerais bien des cailloux, moi. Mais bon, ce jeu a l'air extrêmement bon en règle générale. Voilà. Donc on va faire apparaître l'interface. Bien sûr, on a besoin de ressources.
C'est cool. Voilà, on a pété un arbre à la Minecraft. Alors, i. Donc voilà notre inventaire. Voilà les objets qu'on peut crafter. Donc il va nous falloir de la pierre. Au niveau des touches, j'en ai pas encore suffisamment. Et pour la torche, on verra ça plus tard. Donc on va quand même... d'accord, ok, c'est bon si vous le dites. Fibre, on va mettre de la bouffe là. Hop. Là aussi. Et là aussi, on verra ensuite. J'en sors, d'accord, avec échappe, c'est parfait. On va casser un autre arbre. Je vois une espèce de fontaine là-bas, fontaine à flotte, pourquoi pas. Et la nuit est déjà en train de tomber, c'est génial. Niveau du touch, on est bon, j'aimerais bien avoir plus de bois cependant pour pouvoir faire une torche. Apparemment c'est pas aujourd'hui que je vais l'avoir mon bout de bois, hein. Si ça y est je l'ai eu. Donc, mangeons un coup. Est-ce que ça me soigne? Apparemment ça me soigne pas des masses, si ça me soigne un petit peu. Parfait. Donc là, est-ce que je peux récupérer de la pierre en tapant dedans? Non. Donc il va bien me falloir du caillou quelque part. Pas un caillou là? Non, c'est un coquillage. Je vois des bestioles, donc apparemment. Stone, ça y est, j'en ai une. Waouh! Tant bien que mal, hein, chers amis. Hop! On va faire ça. Donc normalement, vous voyez, donc en grams, voilà, on a de l'XP en fait en fonction de ce qu'on est capable de faire dans le jeu. Enfin, en fonction de ce qu'on fait dans le jeu, justement. Donc que ce soit le craft ou autre chose. Je précise. C'est pas de la pierre. Bien sûr, j'aurais dû le voir arriver. Waouh! C'est très lumineux ça. Dis donc. Par contre du coup oui c'est génial, on commence en pleine nuit. Youhou. Donnez-moi de la pierre. Ah du briquet, c'est cool. Enfin du flint, c'est du silex. Wouhou, qu'est-ce qui s'est passé? Putain. Putain la nuit est tombée vite. Oh j'aime pas ça. Casse-toi! Alors, apparemment, j'ai froid. Je sais pas ce que c'était. What? Pourquoi ça m'a montré? J'ai cru voir des maisons là-bas. Putain, j'y vois plus rien. Hein. C'est violent. Où est l'entrée? Là, non? La gueule! Level up is available? Pourquoi level up is available? Faites-moi une torche! Quand on me fasse une torche! Oh, d'accord! Alors, moi, j'ai cru comprendre qu'il y avait des dinosaures dans le jeu, donc je pense que je vais tout simplement commencer par me mettre de quoi courir. Si le jeu veut bien. Bon, apparemment, oui. Alors, je peux apparemment apprendre des choses quand. Ouais. Ça, ce serait cool. Ça, ce serait cool aussi. Ah, j'aurais peut-être dû faire un feu de camp pour me réchauffer. Vilain jeu. Oh, le vilain jeu. Ouais, ça va me faire du bois, ça. Allez, hop. Hop. Parfait. Et ma torche, elle me réchauffe ou pas? Oh! Yes! Bon, maintenant, il me faut trouver du bois. Je suis pas genre accroupi, si voilà. Et genre, je peux pas faire ma pute. Non. Bon. D'après ce que j'ai compris, ce que j'ai cru comprendre, pardon, on récolte plus de bois avec. Voilà, d'accord.
Oh, c'est violent. Je vois pas où je tape. Ouh, c'est cool, là, au niveau de la quantité de bois, c'est vraiment cool. Putain, j'ai les boules qui sont des bestioles. Bon, attendez, on va se rentrer. Oh, c'est de la pierre, ça? What? Oh putain, j'ai eu les boules encore une fois. C'est cool! Est-ce qu'il y a un feu de camp à l'intérieur de celle-là? Yes. Oh! Genre, je peux l'utiliser et tout? Gain ressources into new items. D'accord. Marche ça? Non? Si je rajoute ça, ça fait rien. Si quelqu'un sait comment ça marche, n'hésitez pas à me le dire. Survivor profil. D'accord. Ok, pourquoi pas. Attends, c'était quoi qui était marqué The Raptors? D'accord. Lightfire. Ah. Ça c'est... Ah, on a des points à mettre. D'accord. Et donc je suis à 102 en speed. D'accord, ok, parfait. Ok. Pas une bestiole là-bas? Ah! Forcément, je commence l'épisode dans la nuit, moi. No fear. Et je vais commencer à crever la dalle, surtout. Un caillou. Ouais. Tout ça est très étrange. Bonjour madame, vous êtes niveau combien? 21, je vais me faire défoncer. Bonjour madame, vous êtes niveau combien? 12, je vais me faire défoncer. Peut-être pas une bonne idée. Ça me réchauffe pas ça? Oh! Oh non! J'ai fait caca! Il y a un truc bizarre là-bas. Il y a plein de trucs bizarres quand même autour. Hein. Merci pour le bois. C'était gratuit, j'imagine. Bon, bah, j'ai le don de commencer un épisode en pleine nuit quand même. Hein. On va récolter des ressources, après tout, je sais pas trop à quoi ça va nous servir. Mais j'imagine que ça va être utile. Parfait. C'est quoi ça? Putain, vous avez vu, chers amis, il y avait une drôle de bestiole. J'aime pas ça. Il y a une drôle de bestiole sur ma plage. J'ai l'impression que ça me suit en plus. Nom de Dieu. Ah, j'aime bien des jeux qui me font peur comme ça par leur immersion.
Merci. Oui, je sais que j'ai froid. Laisse-moi le temps de me réchauffer avec ma torche. Donc là, il y a une porte, si j'ai bien compris. C'est con, parce que s'il n'y a pas de porte par là... Oh, tiens, des algues. Non, je peux pas récupérer. Blah. Putain, elle m'a foutu les boules. Tu es niveau 12. J'ai pas envie de me friter contre elle. Ou de me frotter contre elle, là, non. Vite. Craftable. Spear. Et deux, parce que je sais que c'est fragile, ces saloperies-là. Ça me semble vilain. What? Je rêve ou ça m'a craché dessus? Et what? Comment ça fait? Là. Putain, je l'avais dit que ça allait se planter. What? Déjà? Cool, c'était balèze. On a de la viande! Est-ce que je peux par exemple mettre de la viande à cuire? Hop. Non. Donne-moi ma viande cuite. Je veux ma viande cuite. Donne-la-moi! Donne-moi mon morceau de viande, je te dis. Ah. Merci. Appelez. Bon. Donc il y a des bestioles qui sont là la nuit mais qui sont pas là en journée. Ah, t'as pas aimé la... T'as eu peur des flammes? T'as bien raison. Je viens de buter un caca-caca-caca carnivore. J'attends le deuxième. Et là, il y a le gros tyrannosaure qui arrive. Rexou qui arrive. Et bim, dans ta gueule, Marcus. Non? Bon. Bon bah écoutez les amis, je pense qu'on va se laisser là parce qu'il fait nuit, j'essaierai de revenir jouer à un moment où il fera jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, donc vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas aussi si vous le souhaitez donc à pouce vériser la vidéo si vous voulez voir plus de cette série tout simplement. Ce jeu me semble quand même assez cool. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens.